t'ai montré les amandiers en fleurs à un moment donné. Voilà les amandiers en fruits. Bien le bonjour. Ça fait très longtemps. J'espère que tu vas bien. Excuse un peu ma voix qui n'est pas tout à fait ordinaire. La campagne, depuis les dernières vidéos, a bien changé. Les fruits arrivent, c'est joli comme tout. Fait toujours du bien de se balader dans la campagne. Allez, on va papoter, toi et moi, parce que ça fait très longtemps. Tout d'abord, des nouvelles de Cassie. Alors, Cassie va bien aujourd'hui. Là, elle a eu un petit souci. Elle avait une blessure à la gorge que j'ai désinfectée plusieurs fois par jour. Et au bout de moins de 3-4 jours, ça lui a fait une boule au niveau de la gorge. Donc, c'était un soir quand j'ai vu ça. Donc, j'ai pas du tout voulu traîner. Le lendemain matin, la première heure, on était chez la vétérinaire. Parce que je fais toujours attention d'avoir des coordonnées de vétérinaire pour me rendre le plus vite possible. Et effectivement, c'est une grosse infection, donc c'était assez gros. La veto a bien tondu pour que je puisse continuer à bien nettoyer tous les jours. Antibio, anti-inflammatoire, pendant une semaine. Bon, elle était un petit peu groggy, mais ça a été. Elle a été vraiment mignonne. Elle s'est laissée soigner tous les jours, je lui donnais ce comprimé. Tous les jours, encore désinfectée, nettoyée, elle a été une patiente formidable. Et là, maintenant, elle est en pleine forme. Donc, tout va bien pour la Miss Cassie. De mon côté, tu entends que j'ai une voix un peu bizarre. C'est la patate au niveau du nez. Je suis chopée une bonne crève, une bonne grosse crève. Ça m'a mise un peu à plat pendant 2 semaines. Là, ça y est, j'en sors. Donc, ça fait du bien de s'en sortir. C'est toujours longuet. Non, ce n'était pas le Covid. Non, c'est pas le Covid. J'ai fait les tests, j'ai contrôlé. C'était pas le Covid du tout, du tout. Pas de souci là-dessus. C'était une bonne crève. Parce que la météo, j'ai plus l'habitude, des coups de froid, avec le vent, la pluie, après un grand soleil de nouveau, eh ben, la crève. Tout simplement la crève, puis moi je suis une bronchiteuse, donc je fais très très attention. Je me suis soignée, j'ai dormi. Et là maintenant, ça y est, je reprends la pêche, et tant mieux parce que le soleil revient. Parce que c'est vrai qu'on a eu une période avec pas mal de pluie, je sais qu'on va en avoir encore. Donc, on en profite au quotidien. Donc, voilà les nouvelles encore de santé. Les nouvelles d'une façon générale, eh ben, je suis toujours au Portugal. Je rencontre toujours plein de monde. Des abonnés ou pas, hein, bien sûr. Ça se passe toujours très très bien. Pour le moment, je ne bouge pas. J'attends une météo un peu plus clémente. J'attends aussi de suivre les actualités, hein, comme tout le monde. Mais ça va, je traîne beaucoup. C'est vrai que ces jours-ci, j'ai pas eu envie de faire de vidéo. Tout simplement, mais ça, t'as l'habitude. Hein, voilà. Moi, je me donne pas d'obligation avec la chaîne. Je fais les vidéos quand j'ai envie, parce que ça reste un plaisir. Et là, j'étais motivée à vite faire une vidéo pour donner des nouvelles. Parce que vraiment, c'est très touchant. Vous êtes très, très nombreux à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages sur mon téléphone avec toutes les personnes que j'ai des contacts. Et c'est vraiment très touchant et je vous en remercie. Donc, c'est pour ça. Je vous donne des nouvelles. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est simplement que j'avais pas envie de faire de vidéo. Et c'est vrai que pendant les 2 semaines où j'ai été ratatinée, j'avais encore moins envie de faire de vidéo. J'ai même pas fait de vélo, j'ai rien fait du tout pendant ces 2 semaines. Donc, tu vois, ça y est. C'est reparti. Je ne te promets pas de reprendre un rythme infernal de vidéo.
Je referai plus de vidéos quand je reprendrai la route. Parce que pour l'instant, bon, après tout, là, c'est une petite vie peinarde. Hein. Très, très tranquille. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que ça se passe bien tes journées, que tu as le sourire, que tu penses à te chouchouter. Je t'envoie plein, plein de belles pensées, plein de ondes positives, plein de sourires. Ciao, ciao!